Mais peut-être c'est l'homme le plus grand du pays qui mesure 2,50 m. Il est actuellement hospitalisé à Conakry. L'homme qui souffrait d'un pied a été finalement et malheureusement amputé. Notre reporter Camara Boubacar est allé le rencontrer à l'hôpital. Voici son reportage. Ce sont désormais ses béquilles qui supportent le géant de Koundara dans ses déplacements. Présent à Conakry depuis 3 mois, Mamadou Diallo vient d'être amputé de sa jambe gauche à l'hôpital d'Anka. L'homme vit avec beaucoup d'amertume sa nouvelle condition d'une jambiste. Le temps de s'habituer à vivre avec des béquilles, ce géant de 2,50 m dissimule ce qui reste de son pied sous son bobo en expliquant sa maladie. Je me suis réveillé un beau matin avec ce mal au pied. Après, je suis resté longtemps alité au village avant de venir ici, le pied gangréné. Dans sa cabine du 4e étage de l'hôpital d'Anka, le géant de Koundara passe de longues journées assis sur un tabouret, le regard tourné vers l'horizon. Un neveu l'assiste. Pour les soins et la nourriture, il dépend de la générosité des médecins. Alors que la solidarité nationale tarde à s'élargir, le géant de Koundara est pressé de regagner son étable auprès des siens à l'extrême nord-ouest du pays.